Leo tunapenda tuige mfano ya watoto. Nous voulons prendre à partir de l'exemple des enfants. Tanisame sauti you are home. Nous voulons prendre à partir de l'exemple des enfants. Message est tout intitulé ressembler aux enfants. Tufananishwe na watoto. Tufananishwe na watoto. Kisoma habari njema katika habari njema ine Matthieu, Luc, Marc, Jean. Tasoma pale kabisa mara nyingi Yesu alikuwa akizungumzia juu ya watoto. Na kila mara alikuwa anasema mfanye nini? Mufanane nao. Mufanane na hao watoto. Mufanane na hao watoto. Tutasoma verse yenyiko ndani ya Matthieu 11, 25. 26, tutaanza hata ku verse ya 20. Ndio tutaweza kupata yale ambayo yanaandikiwa pale. Matthieu 11, verse 20, tuanze ku 20, tutafikia ku 24, ku 25 plutôt. Nitasoma hapa mu français, panaita français du semer, la Bible du semer. Mwenyeko na Swahili atatusomea ile ma verse. Tuanze na Waswahili. Matthieu 11, tuanze ku verse 20, fikia ku 25. Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambapo ndani yake alifanyika miujiza yake iliyo mingi kwa sababu haikutubu. Sababu haikufanya ni haikutubu, retene ce mot là. Ole wako Korazini. Ole wako Betsaida, kwa kuwa kama miujiza ilifanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangelitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu za siku ya hukumu kuliko nyinyi. Makumi na tatu. Nawe Kapernaumu, je, utatukuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu? Kwa kuwa kama miujiza zilifanyika kwako ingalifanyika katika Sodoma, ungalikuwapo mji huo hata leo. Makubili na ile. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe. Amen. 25. Vesenge nasema hivi. Wakati ule Yesu akajibu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbinguni na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Amen. Aliwafunulia wanani? Watoto wachanga. Wakati unaposoma hii maandiko, ikuwa wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa wamerudi kutoka kule kwenye Yesu aliwatuma. Like njoo ana explique ile sasa. Amuke mwenjili ya Luke. Walikuwa wameenda, wanakuja, wanasema sasa kule kwenye tulienda mapepo zilikimbia. Wagonjwa walifanya nini? Walipona. Lakini
Hata kama miujiza ile ilifanyika, njoo tunaona pale Yesu anaregrete sana, watu hawakufanya nini? Hawakugeuka. Hawakugeuka. Malgré les miracles, watu hawakugeuka. Na njoo anasema, si c'était mieux. Ha? Mungu amewafunga macho na amepatia ile ile capacité watoto au wachanga. C'est mieux qu'ils puissent être comme des enfants. Mouta ta, verset à Matthieu 18, tout à somme à Nyuma Badaï. Na, wakati unona, unafananisha hali ya leo pamoja na hawa watu. Uko naona namna gani inji konaenda ovyo 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 ovyo. Le monde entier est vraiment sur la balance. Iko mku tremble, tunaitaka mo tremble, iko na teremuka chini. Monde iko naenda chini, naenda chini, naenda chini. Ha? Malgré cela, neno la Mungu liko na ubiriwa, liko na ubiriwa, liko na, lakini watu wapi? Hawafanya nini? Hawatubu. Na njoo, Yesu kuna wakomba, sema, anta ingelikuwa ta Sodoma, ha? Mieke, wale wa Sodoma wangelitubu, mimi nawaza ile muzi ingelikuwa na ingali viva leo. Lakini, kao vwa les choses dans ce monde, muka unkona ma information, à tout moment, Amerika kwa matueri, mesi anatoka tu kumasoma na kamata, bunduki anapire sa wapa kukwetu kwa pa hivi, watu wanakufa. Chaque jour, autakosa, chaque jour ma information, quelqu'un a tiré. Chaque jour, autakosa, watu wawa madrapo, wanawitaka mwa homoseksuel, viko naenda mwa balabara. Chaque jour, nwana mapalema, zinanja sema huu, vitu, vya mavortema, ile njoo ikuwe legale, ile njoo nini, bana kutia mwa, inakuwa ingia mwa politiki. Na, ninaomba vema isifike mupei yetu hii. Na, pale ndo tutajua wenye viko wa adilte na wenye viko watoto. Na ile ndo tunatafuta sema tuige kwa watoto. Njo Yesu wakati kuna kombare ile asema ole Kapenaum, ole nini, ole Goma, ole Kongo, ole. Mungu alikuwa vrema munaona ile ma miracle nye Mungu alikuja kututosha ndani yake. Vous seriez encore vivant aujourd'hui, mais lakini mumekufa. Na wakati anapasema ole, sasa mufese vesengu nona, kitu nyiko pe diferent, akisha regrete, anakia sema, bas, j'étais lu au Seigneur, amen. Pardon. J'étais lu au Seigneur. Iko un peu contradictoire, kisha sema ole, kisha anakia sema, j'étais lu Seigneur. Mais il faut voir ce que pourquoi il loue le Seigneur. Je te loue parce que tu as caché ces choses hein, aux gens intelligents, ok? Et les sages, mais tu les révèles aux petits enfants. Vous savez, mon ajout à l'époque, wakati Yesu ali recruter wale wanafunzi wake. Hein? Est-ce qu'ils étaient des sages? Balikuwa kwa wavuvi wa samaki kule, wengine balikuwa kwa wa recepteur sawa wewe wanapokea ka franga hapa. Hein? Les autres c'était des vauriens. OK? Hein? Alors, wale ndio wenye Yesu anapatia ile nguvu mwende mhubiri. Walienda wakahubiri. Miujiza yakafanyika. Lakini watu hawakufanya nini? Hawakutubu. Hawakutubu. C'est un grand problème que nous avons aussi aujourd'hui. J'en ai tout le coin à Mkutano au Kugoma West. Il dit, quoi toucher na ile neno ambao mubira alisema. Na nishaka remarqué na mie wakati nilifika huku. Naona vous avez plus de ya boutique ya mabière. Hein? Que boutique za kuhubiri neno la Mungu. Aveni muzima itakuwa mangana. Aveni muzima iko mangana. Hein? C'est ça. Iko huruma sana. Hii magere zemu konaona hivi ni huruma sana. Dieu veut la paix. Hein? Il veut la paix. Que tous nous soyons dans la paix, la sécurité. Lakini
Mtu atakamata tu fizi anaenda aue watu. Mtu atakamata fizi aue watu. Alors, il est tout à fait différent de ce que les enfants feraient. Ndio sasa Mungu mimi nakushukuru kwa sababu ni hao watoto ndio wameona, umewafungua macho. Wameona shida yetu tuko nayo hiyo masiku. Wanaona barudi kwenye uko. Alors nous allons apprendre de ces enfants. Pourquoi Jésus a cité les enfants? Hein? Akaona ke wasage aujourd'hui vale ba Biden, vale ba président américain, bananja je beba beba, c'est nous ba Poutine, bananja je beba beba. Na huku kwetu, hein, kama ba politicien gani bananja beba. Turudi hata hapa kwetu kwa hôpital, watu bananja beba, hein. Ce sont ceux qui s'appellent les sages. Il y a des gens qui se sont devenus des sages, hein, et des intelligents. Bando bananja tout les sages tout, hein, comment on dit en français? They know all en français, en anglais c'est ce qu'on dit. Donc, tu vas chercher quoi, va jouer à violer. Non, l'homosexualité, c'est le droit de l'homme. Quel droit de l'homme? Va sage, va dunia, va intelligent, va dunia. Lakini Mungu anaona ke hamuko va intelligent mbele ya Mungu. C'est mieux d'avoir quoi? Les enfants que de vous avoir. C'est mieux d'avoir des enfants que de vous avoir. Alors, nous devons apprendre à partir des enfants. Pourquoi Dieu, Jésus, en a-t-il à ce moment-là, au moins, wow. Joanine. Parce que comme ma caractéristique, il y a watoto wanaoneshaka. Watoto, on nous dit que les enfants sont caractérisés par à tout moment ils sont joyeux. OK? Nakumbuka wakati moi tu kwa na ningali na jifunza huko Afrique du Sud. Situation ya économie ilikuwa nguvu sana les tesote que va personnel va kuvalipa comme na sentu kwa hapa hapa kuvalipa na ma Minerva ilikuwa kugumu alafu mbele pasteur atakuwa anatuambia sasa unaona hapa watoto hapa viko na cheza hapa hawajui si wazazi vinyi tuko na fikia ils sont insoucieux de tout ce qui se passe. Amen. Pourtant, quand on est sur la scène, tout que ça va toto. Ils sont insouciés. La génétique touche pas ta magonjo, ya ma tension, ya ma diabète. Parce que nous soucions de beaucoup de choses. Nous soucions de beaucoup de choses. Soyons comme qui? Les enfants. Il y a une caractéristique que les enfants sont. Ils veulent connaître tout. Comme on a mis à quoi la toto, on a pas changé. Quoi, un certain âge, mutoto atakuwa anauliza, papa, maman, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ii nini? Anapenda ajue yote. Alors, na mbele ya Mungu sisi watoto, ce que je voulais dire ici, c'est que nous sommes avec un papa qui est Dieu. Baba wetu ni Mungu. Na sisi tunakuwa nini? Watoto. Kama tunajifunza juu ya hali ya watoto, tunajua, tunaweza enda mbele yake, tumulize. Baba, sasa kwa? Quelle est la situation? Hii situation tuko nayo mukongo. Papa, c'est quoi qui arrive? Wakati mimi naandika kila mara ku Facebook nasema, tuende mbele ya Mungu tuombe juu ya hii situation yetu, bana ni atake. Ça, Mungu iko wapi? Mungu kumbe sasa yashaka tujibu samba. C'est ça que les gens maintenant sont en train de dire. Mais après les enfants, eux, ils vont là-bas. Ngine la statistique, ils sont ignorants. Hata kama unajua hapo kuko shida, lakini butona tu wanaendelea kucheza. Ils ignorent. Alors parce qu'ils ignorent, ils sont prêts à être quoi? Éduqués. Iko contraire à moi, iko sage. Uu sage unajua usema, mimi najua yote. Hauna wakati watu wakufunze. Mimi najua yote. Hein? Ça se fait aussi quelquefois dans notre profession. Mutu anajiona ke yenjoye. Hana wakati ya kusikia wengine na wampatie makosa. Ubie yeye apartager
na wengine. Moi je suis ceci, moi je suis ceci. Yesu anasema, vous les orgueilleux, vous les sages de ce monde, Mungu mwana wa kache, il vous cache. Il y a un passage de la Bible qui dit, acha waanguke ndani ya zambi zao. Et un autre passage dans les Épîtres dit, mumuachie nani, tu vas livrer que Satan. Parce que la parole est en train d'être prêchée, mais les gens restent toujours orgueilleux et banabakia ndani ya zambi hawatubu. Les enfants sont naïfs. Les enfants ne s'embarrassent pas des choses de la vie. Hata kama iko na mvua iko na nyesha lakini utamwona tu anaenda chezea ndani. Alors la vie que nous avons c'est la vie éternelle, la vie en Christ. Si wa Kristo Mungu ametupatia le maisha. Hautakuwa embarrassé kusema bana kuita mu Kristo. J'ai vu des gens qui sont banajikache pour que wasionekane kama wao ni banani ni wa Kristo. Pana. Les enfants ils vont mie papa ngui ko docteur. Papa mtoto mama ngui ko infirmière. Ils ne s'embarrassent pas. Unajionyesha lakini face à la situation que nous ont demandé de traverser, nous les chrétiens, nous ne montrons pas la lumière. Iko shida sana. Tuoneshe ile lumière ya wengine nao waone kwamba si tuko wa Kristo. Si tu condamnes à Christ, tu que ça va toi, tu ne s'embarrasse pas. Hein? J'ai vu dans la télévision, on demandait à l'enfant, tu veux être comme qui? Ton enseignant, je veux être comme mon père. Pourquoi? Parce qu'il est gynécologue. Pourquoi encore? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc, eux ne s'embarrassent, ils peuvent dire n'importe quoi. Hein? Ils ne s'inquiètent pas du lendemain. Amen. Avajoui. Si tu as essayé de trouver un cas, il y a un cas qui est là. Mais il n'y a pas de cas. Mais il dit, ne vous inquiétez pas de quoi? Du lendemain. Hein? Le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Hein? C'est ça. Ne nous inquiétons pas. Soyons comme les enfants. Hein? Même s'ils sont dans cette situation, batoto, haiko kusema tunawa regresser banakuwa chini hapana. Ile ma caractéristique yao, haiko ya kuwashukisha chini, lakini ni ya kuwa élever. Mungu ndio Yesu anasema, c'est différent de vous qui vous nommez, vous dites que vous êtes des sages, vous êtes des intelligents. Alafu, yo, Mungu anasema nini? Merci Dieu parce que tu les caches à ces gens-là. Vale, bébé, comme un orgueilleux, merci Dieu, parce que on va cacher tout. Acha tu as chez Vale, bébé, na itika, wawe nani, wawe kama watoto wachanga. Alors, ce que je vais vous inviter, chers collègues du travail ici, est que nous devons venir apprendre cela. Tu es kama watoto wachanga. Nzo Yesu akasema, mwache watoto watogo, waje kwa. Waje kwangu kwa sababu le royaume de Dieu est semblable à eux. Amen. Le royaume de Dieu est semblable à eux. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, vous tous. Tuache ile orgueil yenye tatufikisha tufungwe macho. Ma réalité zenye tuko nazo ku dunia tuzikose. Tuache ile orgueil, ile tusema tuwe ba intelligent. Mais vivons de telle sorte que nous avons les caractéristiques des enfants. Les caractéristiques des enfants, et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons ils sont comment? Toujours joyeux. La joie des enfants de Dieu ne vient pas de ce que nous avons à l'extérieur. J'ai toujours dit que la joie des enfants de Dieu vient du cœur. Unajua ndani yako muko Yesu yuko ndani na yeye ni Bwana wa maisha yako, ni yeye anakutosheleza, ni yeye ambayo anakulinda, ni yeye ambayo anakuletea salama, ni yeye ambayo iko pamoja na El Shaddai, Dieu tout puissant.
De telle sorte que hata kama magumu yatafikia nje, ça ne va pas toucher le cœur. Alors, tu seras toujours joyeux. Les enfants sont toujours joyeux. Ou mupiki hapa pa atali. Tena takuya wapi? Kwako. Tineville. Takuya kwako parce qu'il est toujours joyeux. Hein? Nous avons dit qu'il ne s'embarrasse de rien. Toujours né chez quoi mbapa mu hôpital et tout quoi Christo. Et l'autre caractéristique, c'est l'humilité. L'humilité. Les enfants sont vraiment, vraiment humbles. Quand on attaque mon moto à jouer, à mon jour, t'as un dica la cognéico. Un dica la cognéico. Mais l'humilité a mangé ce monde. Même ces gens qui sont en train de nous attaquer aujourd'hui, c'est que parce que je qu'on a orgueil et tout. Si, en tout temps, dans la négociation, c'est pas bon. Touche à gagner ma ville. Ça, c'est l'orgueil. La Bible dit, l'orgueil précède quoi? La chute. Hein? Mais l'humilité, la gloire. D'accord? Tout est humble comme les enfants. Jésus nous invite donc à être comme des enfants pour que nous puissions recevoir ce royaume. Et cela va nous aider à vivre dans une vie yama miracle. Wanafunzi walienda wakaenda fanya ile ma miracle sababu hizo ete da l'humilité wale wa chef ba ma synagogue wenyewe walikuwa naziona mo ma intelligent olieba arbudu Mungu ba repentir bakatafuta sanjo kuenda ku crucifier Jésus au lieu de se repentir njo kwa maana ole kwao isikue kaetu. Mungu anasema, lenye wa personnel wa hôpital. Non. Soyez comme les enfants. Soyez comme les enfants. Tu ige ile humilité inye kondani ya watu, ya watoto. Tu ige ile joie inye wikonayo. Tu ige ile esprit ya kuapprendre toujours. Hein? Deva Dieu. Tu fike mbele ya Mungu kila siku kwa maombi. Nili watumia mugrupe. Ka prière moi mais ça m'a tout quoi naomba ile prière. Si je vais ngapi wangali naomba ile prière. Tuombe watoto wa Mungu, tuombe. Hein? Unaona mtoto, papa ni patie. Ça ce sont les enfants. Nous sommes les enfants de qui? De Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Tukiembele yake na humilité que nous avons besoin. Et une autre chose, pourquoi les enfants? Les enfants savent qu'ils ne sont pas indépendant. Ils ne sont pas indépendants. Bana joke bana dépendre na nani? Na mzazi. Na si mzazi wetu ni Mungu. Tujue tunakuya kazini, tunadepende na Mungu. Tuneko na opere kule, tunadepende na nani? Na Mungu. Uko naleta dawa, unadepende na nani? Na Mungu. Ile njo wa nani karakteristiki ya mtoto. Usikuya wasema mama mimi ni somiaka Europe. Miso miaka wapi? Unaanza neglige asema ule ni wa kinyumba. Ah, c'est pas ça. Venez avec toi l'humilité du cœur. Toute humilité. Kwa tumika na ile humilité, Mungu atatusaidia. Alors napenda sie wote tuombe. Tutaomba Mungu sema Mungu utusaidie. Wakati mtoto anaonekana kama mimi siko mie peke mimi nahitaji babangu. Papa uko wapi? Mama uko wapi? Okay? Na ile njoo naomba tunakuwa nayo kila siku na sisi tuseme Mungu tunakuhitaji. Amen. Tusikue sawa wa orgueye. Sema moi je me suffis pas. Tutaomba Mungu leo, tutasema Mungu asante kwa kazi ambayo umetupatia. Lakini tunafika mbele yako tukisema nous avons besoin de toi comme père. Nous sommes des enfants, nous venons devant toi et que tu puisses nous révéler ta parole. Tu puisses nous révéler ce que nous pouvons faire et que Dieu, nous puissions dépendre de toi. Et nous ne devons pas dépendre de nous-mêmes. Il est dit à quoi maombi est tombé en naomba. Qui l'a mangé à pas? Tu n'y es quoi maombi? N'a toujours ombi à si souenyewe. Tu me on a eu ma caractéristique à watoto. Tu es watoto dans le Christ. Amen. Na wakati tunapokuwa kituo hata nyumbani mwetu tuwe tu kama watoto kwa sababu ile makarakteristiki itaendelea ikiendelea mahali pote tunapokuwa tutaona changement
na Yesu atajitukuza, anasema et cela c'est pour la gloire de Dieu, kasoma ile verset 26, akasema c'est pour ta gloire Seigneur. Amen. C'est pour ta gloire. Tukue watoto na Mungu atatusaidia. Twende kwa maombi. Baba, tunakushukuru kwa sababu uko Mungu ambaye umependa tusikie neno hili. Baba, tunaomba neno hili litumike ndani yetu, tuwe watoto ambao wanakuwa katika kujinyenyekeza mbele yako Mungu. Tunakuwa watoto ambao tunapenda kudepende na wewe tu. Baba, hatuwezi kujidepende yako sisi wenyewe ama kwa wengine, lakini wewe tu ndio Mungu ambao unaweza kutusaidia Seigneur. Hivi Mungu, naomba katika hiki kituo tuwe kama watoto ambao tunajua kwamba pasipo wewe hatuwezi kitu. Hivi mbele yako Mungu tunakuja, saidia kila mmoja katika hii kituo, ili Mungu tujue kwamba hatudepende na sisi wenyewe. Nguvu ambayo tunatumika nayo itatoka kwenye huko tu Seigneur, tukidepende na wewe. Asante Mungu kwa hii neno. Tufundishe humilite, tufundishe Seigneur, tupisa kuwa wanyenyekevu kwa kila kazi ambayo inakuwa pamoja mbele yetu Seigneur. Mungu, yote ambayo tumeomba utusaidie kila mmoja, na kituo hiki uendelee kukisaidia Baba. Nguvu za Roho Mtakatifu zitumike hapa, watu waokoke, watu waokoke Seigneur, na utukufu wako uendelee kuonekana. Asante kwa yote Seigneur, tunakushukuru tukiomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Asante kwa Mungu awabariki.